tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le format du dimanche. Nous sommes dimanche matin, je suis encore pas en avance, c'est comme ça. Aujourd'hui on va faire un TG. Alors qu'est-ce que c'est que le TG? C'est le triangle de Ginny. Ginny elle a une page scrap, elle a une page Facebook, le scrap de Ginny. Donc si vous voulez aller voir sur sa page Facebook ce qu'elle fait, vous tapez le scrap de Ginny et vous allez trouver, c'est le bazar sur mon bureau. Donc aujourd'hui on va faire le TG. Alors qu'est-ce que c'est le TG? C'est un triangle qui doit être, j'ai mis où mes notes, uni, qui doit mesurer 12 sur 18. Donc moi j'ai pris le mauve, c'est des chutes de papier, alors bon. Et donc 12 sur 8, j'ai dit 18 je crois, 12 sur 8. Donc il nous faut un triangle, donc j'ai coupé un rectangle et je vais venir en couper un triangle. Si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'on fait. Ça fait bien 8 sur 12, exact. Ensuite, il en faut 1, 2, 11,5 sur 7. Donc j'ai fait pareil, j'ai fait 7,5. 11,5 sur 7 ou 7,5, je ne me rappelle plus. Bah écoutez, moi il fera 7,5, je n'ai pas envie de recouper. Il faudra que je regarde. Pourquoi j'ai marqué 7? 7,5. Je vous mettrai une petite note en bas si, si c'est 7. Mais je pense que c'est 7,5. C'est moi qui me suis trompée en notant, en faisant mes notes. Donc vous pouvez en faire 2, hein, forcément. Parce que ça vous donne 2 triangles. Voilà, qu'est-ce que je vais utiliser? Il faut un tampon, une découpe et une perle. Alors, on peut bien sûr embellir notre fond comme on a envie. Parce que comme ça, on va vous dire... Moi, j'avais envie d'utiliser ces petits timbres qu'elle m'a envoyés. Ça fait un tampon. Je ne sais plus qui me s'est envoyé encore une fois. Celui-ci, je trouvais qu'il allait très bien avec. Voilà, une petite découpe et une perle. Il ne faut pas grand-chose. Mais on peut essayer d'embellir ça. Je mettrai bien de la pâte de structure dorée. On prend laquelle? De la rose ou de la dorée? Non, on va prendre de la dorée. On va prendre de la dorée et... Et qu'est-ce qu'on va prendre comme... comme pochoir, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'aurais bien mis des petites fleurs si j'en ai. J'ai pochoir d'action, j'ai pas grand chose. Je vais mettre des petites fleurs parce que... ou des papillons. Non, je ne sais pas. Voilà, j'ai des fleurs. C'est quoi ces fleurs? Ça peut être pas mal ça. Je pense que je vais faire ça. Écoutez, on va pas chercher 3 heures. Hop. Oui, c'est un peu à l'impro aujourd'hui. C'est quoi ce pochoir? Oh, bah d'accord, magnifique. J'ai été trop fort, j'ai tout arraché. Bon, ben, en fait, c'est un pochoir qui est utilisable qu'une seule fois apparemment. Je ne sais plus, j'avais acheté ça. Oh ben c'est balouf. Bon ben comment on va le mettre du coup? Comme il est... Oh c'est pas pratique, je crois que je vais prendre autre chose. Bon déjà il est cassé, je l'ai cassé. Je l'ai cassé, j'espère qu'après ça s'enlève. Oh, non je vais pas prendre ça, j'ai trop peur de tout gâcher. Oh c'est pas... ça c'est pas à utiliser. Ça ce n'est pas à utiliser... C'est du caca. Voilà. Oh là là, je viens de regarder d'ailleurs en parlant de caca. Oui, rien à voir. Je passe une... J'ai regardé la vidéo de Gabi ce matin. Les hobbies de Gabi qui fait une récap de tous les formats scrap. Si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne. Elle fait une récap de tous les formats de scrap qui existent. Et c'est très intéressant et c'est bien utile pour celles qui, comme moi, font... une petite séquence, je crois qu'il y a Sophie
qui le fait, qui présente les formats de scrap. Et il y a quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus qui. Et donc, elle fait une récap, voilà, de tous les formats de scrap. Aujourd'hui, elle nous a présenté un format qui s'appelle le caca. Oui, vous avez bien entendu, le caca. Elle est caca parce qu'apparemment, c'est au pluriel. Voilà. Je ne connaissais pas. Pourtant, je suis la chaîne de la créatrice de ce format. Mais je n'avais jamais entendu parler du caca. Voilà, voilà. Ah oui, bah, il y a de tout. Hein. Bon, je ne trouve pas ce que je veux. En pochoir. Ça, on est bien, on est bien. On est bien. Je crois que je vais prendre ça. Tiens, je ne vais pas me prendre la tête. Ça fait des fleurs. Ah, là aussi, ça fait des fleurs, mais c'est des roses. Ça fait plus shabby. C'est horrible. C'est très beau, ça. C'est moi qui ai acheté ça. Tiens, je ne l'avais plus. Pas d'achat au mois d'avril. J'ai... au mois de... Oui, avril, mai. J'ai beaucoup d'anniversaires. Donc, pas d'achat. De scrap. Voilà. Eh ben oui, hein. Il y a des priorités et le scrap, on n'en est pas une. Bon, on va prendre ça. Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va prendre ça et on va prendre la mousse comme ça, nouveau. Comme ceci. Voilà. Alors, je suis contente de faire cette petite vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que bah, il y a beaucoup de formats qu'elles ne connaissent pas. Donc, c'est top. Voilà, au moins, même si je vous fais découvrir quand même quelques petits formats. Et ça, c'est cool. Bon, ça, c'est de la mousse. Hein. C'est pas vraiment de la pâte de structure. Je ne sais même pas si je l'utilise de la bonne façon. Mais c'est pas grave. C'est juste pour dire, parce que le fond rose comme ça, ça me plaît pas trop, quoi. Des fois, il y a des formats, il y a des exigences. C'est un peu spécial quand même. Hein. Voilà, on va mettre ça de côté, on ira le laver après. Et ben du coup, non, je vais aller le laver maintenant pendant que ça sèche. Voilà, donc on se retrouve ben, quand ce sera sec. Allez, on se retrouve pour la suite. En fait, on est plusieurs heures après parce que j'ai fait d'autres choses. Ben, quand je vous ai mis sur pause, après j'ai été faire mon ménage du coup. Je me suis dit, le temps que ça sèche, je vais faire mon ménage, etc. Puis en fait, les heures ont passé. Repassage et compagnie. Donc voilà. On est l'après-midi. Tout à l'heure, on était le matin. Maintenant, on est l'après-midi. Alors, bien sûr, ça c'est sec hein, depuis le temps. Allez, on va mettre un petit peu d'encre. Moi, j'aime pas trop papier uni comme ça. Moi, j'aime bien que les papiers en motif. Bon, écoutez, on a fait un petit pochoir. Aujourd'hui on n'a pas eu de pluie, ça c'est cool. Je sais pas chez vous, mais chez nous pas de pluie aujourd'hui. Alors, bon, je suis contente parce que tous mes courriers sont prêts. Il ne me reste plus que les courriers des participantes au dernier concours. Enfin, là, pas suisse, un cours, hein. Celui d'avant, à préparer. Mais le colis de Lily est prêt, la carte de Magali est prêt. Ah non, il me manque le... Non, qu'est-ce que je raconte? Et non, c'est le concours de... C'est pas les... C'est le concours de Créamélise qui me manque. Les enveloppes pour les participantes sont prêtes. Ouf, je perds la boule. Je mettrai tout ça à la boîte aux lettres mercredi. Voilà.
Comme ça, peut-être que ça me laissera le temps de préparer le concours de Créa Mélis et de lui envoyer en même temps. Je vais essayer. Je vais essayer. Bon, on va coller ça. Voilà. On va coller ça. Je suis pas fan des papiers unis comme ça, mais bon. Voilà, ensuite j'avais envie. Ensuite, on peut décorer comme on veut, hein, je pense. Hein. Ah, j'ai le nez qui coule. On va décorer comment? Parce que, oui, je voulais mettre le timbre. Je crois que c'est Céline qui me l'a envoyé. Je ne sais plus. Oh là là. Je voulais mettre le timbre. Ah oui, il faut mettre une découpe aussi. Donc, on va mettre le timbre. Allez. On va. Comment dire? Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est en freestyle. Voilà. Hop, on y va comme ça. Hop. Voilà. J'aurais peut-être dû l'ancrer un petit chouïa. Même si c'est pas facile d'ancrer les timbres. C'est un format que j'adore, les timbres, moi. Hop. On va le mettre là. Je sais pas si on a le droit de dépasser. Hop. Une découpe. Moi, je vais faire des petites découpes de papillons. J'ai trouvé une chute de papier à motif. Hop. Lola, salut là. Eh bien la lumière ça s'éteint quand même, non? Oh non. Oh pardon, j'ai été chercher un mouchoir pour me moucher. Je vous ai abandonné deux secondes. Alors. On va prendre une perf au papillon. C'est un petit format, hein, il n'y a rien de spécial à faire dessus. Vraiment, c'est tout petit. Bon, j'ai fait dans des chutes. Alors, pour moi, une perf, c'est une découpe. Donc, je pense que ça rentre. Voilà, on va mettre autre chose quand même. On ne va pas laisser comme ça. On va trouver un petit sentiment déjà. Oh, j'arrête pas de moucher, ça m'énerve. Oh ma belle, je suis fatiguée. Je vous le dis, je suis fatiguée. Oh merci. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai rien préparé, hein. Écoutez. Vive l'été, non? On peut mettre cool, le mot cool. Le mot cool, ça peut être pas mal. Ça va, je vais mettre de côté, c'est pour une copine. Donc je le trouve. Ouais, bah je pense. Ou bonheur. Non, on va mettre bonheur, tiens. Bonheur, c'est joli, bonheur. Allez, on va mettre bonheur. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Parce que c'est un petit format, il n'y a pas beaucoup de place. Et mon timbre qui prend déjà un bon morceau. Donc on a mis des papillons. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le mot bonheur.
des papillons. Je pense qu'on va mettre que ça, en fait. C'est un petit format. Il n'y a pas besoin de trop charger non plus. Hop. Aïe. On va le mettre comme ça. C'est du rapide, hein, mais... J'espère que ça va tenir sur la mousse. On va mettre des petits papillons. Ça fera notre découpe. Donc, c'est un triangle de... 2, je m'en rappelle plus. Bon, je vous dirai après. 8 sur 12. Un autre au milieu. Ah, j'aurais dû vérifier la taille. 7,5 sur 11,5 pour faire le matage. Il faut quoi d'autre? Le papier de fond soit uni. Un tamponnage et une découpe. C'est tout, il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Ben, je vais vous dire tout de suite la taille. 8 sur 12, oui, c'était bien, je m'en rappelais bien. Voilà, on va peut-être mettre un ou deux strass pour dire d'apporter un petit peu de brillant. Mettre, tiens, peut-être les cœurs roses là que je pense que je me servirai jamais autrement. Ça peut être bien là-dessus. Hop, parce qu'il faut mettre un strass. Un strass. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Petite fleur comme ça, ça peut être sympathique. Mes papillons ne tiennent pas. Hop. Voilà. Est-ce qu'on aurait une autre fleur? Aurais-je une autre fleur? Oh, le bal, ma veste. J'ai cru en avoir une autre, hein, mais j'arrive pas à la retrouver. Et bon, ben, tant pis, je la trouve pas, donc on va s'en passer. Ouais, ben, écoute, on va s'en passer, on va en laisser qu'une. C'est dommage. J'en ai vu une autre, hein, mais il me reste plus beaucoup de choses dedans. Donc, normalement, ça devrait être simple à voir quand même. Oh, yo. Pourquoi je la trouve pas? Je suis saoulée. Elle est là. Ah ouais, mais elle est pas du tout pareille que l'autre. Donc, non. Allez, on va en rester là pour notre TG, le pack de Ginny. Donc, 8 sur 12. Un fond uni de 7,5 sur 11,5. Un tampon, une découpe, un strass. Si je ne me trompe pas, c'était tout. Alors, un strass ou une demi-perle, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit format vous plaira, que vous ne le connaissez peut-être pas encore. Mais simple à faire, hein. Bon, il n'y a pas de contrainte, donc ça va, on peut laisser. Bon, moi, la seule contrainte qui me dérange, c'est le fond uni. Mais bon, je trouve... voilà, c'est pas mon style, mais c'est mignon. Et en plus, j'adore le petit thème que j'ai mis dessus.
J'en ai encore trois. Je vais faire une autre création avec. Ils sont trop, trop beaux. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye.